Le manoir Drummond. Quand dans un lieu, on se fait une place. Le parc Saint-Frédéric a toujours été un lieu de rassemblement et d'échanges sociaux à nul autre pareil. Et le manoir Drummond qui lui fait face a su assumer au XXe siècle son rôle d'hôtel prestigieux, une fierté pour les propriétaires de l'époque. Les gens y viennent comme attirés par un aimant. Bien aménagé, cet espace nature qu'est le parc est devenu une place dans le sens le plus noble du terme. Premier point de chute. Le kiosque du parc où fanfares, orateurs, personnages célèbres viennent s'adresser à la foule. En ce XXe siècle, et plus précisément dans les années 1930, la ville pouvait s'enorgueillir d'avoir une fanfare remarquable et son chef jouissait d'une grande renommée. Le journal La Parole de septembre 1932 parle de cet ensemble et de son chef Léon Ringuet, soulignant qu'il a fait honneur à sa race au Canada comme aux États-Unis, où il a attiré l'attention par ses talents émérites. Lors des concerts de la fanfare du jeudi soir, la foule gravitait autour du parc et assiégeait même le parvis de l'église. Elle écoutait religieusement la musique et applaudissait avec enthousiasme chacune des pièces du programme offert. Cet ensemble contribua pendant plus de 50 ans à relever la solennité des fêtes patriotiques, religieuses, civiques et politiques. Ce kiosque symbole de rassemblement accueillait les personnages politiques et orateurs qui faisaient valoir avec ferveur et fougue leur point de vue. C'était le lieu de parole pour défendre une idée, une cause ou rendre hommage à quelqu'un. Outre le kiosque, qui était un endroit bien circonscrit dans le parc, l'espace tout entier était mis à contribution pour les grands rassemblements, que ce soit pour la grande cérémonie de la fête Dieu ou la fête patriotique de la Saint-Jean-Baptiste. Les défilés partent généralement du parc Saint-Frédéric, et ce, dans l'ordre suivant. La fanfare municipale au pas militaire, suivie des clubs sociaux. Les confréries religieuses et la garde d'honneur en uniforme. Le clergé et les dignitaires municipaux se retrouvent à l'endroit le plus prestigieux, vers la fin du défilé. Deuxième point de chute, le manoir Drummond. Si ce parc a été le lieu des rassemblements, le manoir Drummond fut celui des rencontres sociales et d'activités mondaines mémorables. Construit en 1907, le premier hôtel manoir Drummond se distingue par sa taille relativement imposante de 40 chambres, ses deux tours d'angle et sa longue galerie à étages. En 1924, la compagnie du manoir Drummond cède une partie de ses actions à la Southern Canada Power, qui souhaite se doter d'un hôtel confortable pouvant accueillir les dirigeants d'entreprises qu'elle veut convaincre de s'établir à Drummondville. En août 1927, alors que d'importants travaux de rénovation venaient de pourvoir de salles de bain complètes une vingtaine de ses chambres, l'établissement est réduit en cendres. Quelques mois à peine après ce désastre, la Southern Canada Power voit à la reconstruction de son hôtel. Elle s'inspire alors des normes les plus récentes de l'industrie hôtelière afin d'assurer à ses clients tout le confort requis dans les 58 chambres mises à leur disposition. Le nouveau manoir Drummond est le premier hôtel en Amérique à posséder une cuisine toute à l'électricité, ce qui remplit d'aise la Southern Canada Power, qui n'a de cesse d'en faire grand état dans sa publicité. En 1987, une société de type coopératif transforme l'hôtel en résidence pour personnes à la retraite. Jetez un dernier regard à ce parc et vous verrez bien que, dans sa modernité, il conserve ce sens de la convivialité, de la rencontre et se réchauffe au parfum de la présence. Sa configuration appelle encore les gens à la fête sur cette scène extérieure qu'est la place Ralph Nollet. Ce monument commémoratif soulignant le 175e anniversaire de la ville reste fidèle à la vocation du parc Saint-Frédéric, qui est de recevoir musiciens et chanteurs pour une fête des sons, qui est d'accueillir
d'accueillir les gens pour les ravissements des rencontres. Ceinturé d'un bassin d'eau, cet espace monument trouve sa pleine expression de mai à octobre. D'autres points de chute suscitent l'intérêt dans le parc, comme ce jeu d'échecs géant provenant d'Allemagne, où les gens peuvent manipuler les pièces et faire des parties amicales sous l'œil amusé de ceux qui observent la scène. Le pourtour du parc est ponctué de bancs qui permettent aux badauds de s'asseoir et de profiter au mieux d'un moment de repos. L'hiver, un immense sapin illuminé s'offre en spectacle et donne un point d'attraction à l'ensemble. Ce parc est devenu une place, mais bien avant le nom, il en a toujours eu la vocation. Ce bel espace vert où chantent les cloches de l'église, où s'animent les foules aux belles heures des soirées musicales, où des vies anciennes et nouvelles se racontent si joliment. Ce bel espace vert, c'est aussi un point de rechute pour de nouvelles histoires à écrire.